4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, pouce, 6, pouce, main, fer. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Aïe, aïe, aïe. Oui. Correctement. Celui-ci ne l'empêche pas, je ramène bien la jambe. Sauf que je vais l'empêcher. Alors l'inconvénient ici, la fille, une fois qu'elle le sait, regardez, elle va s'arrêter, même avant que je la bloque. Parce qu'elle sait que je vais l'arrêter, elle lâche. Non. Même quand vous savez ce que le garçon va faire, tant qu'il nous avait demandé, c'est ce qu'il a demandé de faire. Donc là, ici, le garçon me demande, voilà, de faire mon retour de Saïda. Et pendant ce temps, il dit, stop. Et moi je fais hop. Donc en même temps je la bloque de sorte que regardez son poids du corps n'est pas en avant. Elle n'a pas fini de poser les pieds. Donc son poids du corps n'est pas effectivement transféré. Donc du coup ça veut dire que cette jambe elle est encore légère. D'accord? Mais si je lui laisse faire ça, là essayez, vous allez voir, même si elle pèse 30 kg seulement, essayez, vous allez voir ce que c'est. Ok? Donc là si je la fais, ça veut dire que cette jambe elle est encore légère. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, je pars. Oui, donc juste ça. Alors, je n'ai pas besoin de dire. Non, non, c'est juste une impulsion. Une petite impulsion comme si je faisais. Hop, et je l'accompagne dans l'élan. C'est, je dégage le pied et je monte l'élan. Je fais hop, et on part. Là, je donne l'impulsion. On continue à reculer. On continue à reculer. Avec celui-là, je lui laisse la tête. Donc, à partir d'ici, on recule. On recule. Et ah! Voilà, donc je l'empêche de reculer. Mais si elle a...